Dear Excellencies, dear colleagues and friends, in fact, I have been asked, as one of the few representatives from France here, I have been asked to talk in French. So I will do so from now on for the benefit of all the French speakers here, or some French speakers, and I apologize to my English-speaking colleagues. Donc ma mission aujourd'hui est de vous expliquer une partie des causes de la dyslexie développementale et de l'expliquer au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau du traitement de l'information, alors que le docteur Milne précédemment vous l'a expliqué essentiellement au niveau du cerveau. Moi, je vais passer au niveau cognitif, bon, qu'il a aussi déjà en partie traité, et en me centrant sur ce qu'on appelle le déficit phonologique. Et pour commencer, et donc pour tous les gens qui travaillent en France ou dans des pays francophones, je signale que tout ce que je vais dire aujourd'hui est déjà en fait contenu et synthétisé dans cette expertise collective de l'INSERM qui a été publiée en 2007, qui a été écrite par des collègues et moi-même à l'initiative de l'INSERM et d'une caisse d'assurance maladie et qui en fait présente en fait la synthèse de toutes les connaissances que l'on a à l'heure actuelle sur la dyslexie et également sur la dysorthographie et sur la dyscalculie. Et par conséquent, il y a évidemment bien plus d'informations dans cette expertise qui fait 800 pages que dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc sachez qu'en tout cas, il existe actuellement une source en langue française qui contient en principe toutes les réponses qu'on peut donner à l'heure actuelle ou qu'on pouvait donner en 2007 sur la dyslexie. Donc n'hésitez pas à la consulter, on peut l'acheter bien entendu, mais on peut aussi y accéder gratuitement sur Internet. Ce lien ne marche pas actuellement sur le site de l'INSERM, mais on peut le trouver sur d'autres sites, par exemple sur le site de la documentation française. Donc voilà la référence à laquelle vous reportez si vous avez une question précise sur la dyslexie. Donc la première chose à bien comprendre évidemment quand on parle de dyslexie, c'est que la dyslexie c'est pas la même chose que l'illettrisme. L'illettrisme ça concerne un grand nombre d'enfants qui ont du mal à apprendre à lire et à écrire, et évidemment les causes peuvent être variées. La dyslexie n'est qu'une parmi de nombreuses causes possibles d'illettrisme. Et de fait, si on creuse un petit peu quelles sont toutes les causes possibles qui peuvent engendrer des difficultés pour un enfant pour apprendre à lire et à écrire, évidemment, il y en a plein. Il y en a plein, qu'elles soient au niveau biologique intrinsèque à l'enfant ou qu'elles soient environnementales et donc extrinsèques à l'enfant. Donc évidemment, des problèmes sensoriels, si l'enfant ne voit pas, il va avoir de grandes difficultés à apprendre à lire, en tout cas par la modalité habituelle. S'il est sourd, eh bien, il va avoir du mal à apprendre le langage oral, qui est quand même la base du langage écrit, donc là aussi. S'il a des difficultés intellectuelles générales, évidemment, il va être freiné dans tous ses apprentissages, y compris dans la lecture, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des causes évidentes. Au niveau environnemental, il est bien évident que l'environnement est crucial. Pour commencer, il faut enseigner la lecture aux enfants et il faut l'enseigner correctement. Et puis, il y a d'autres facteurs sociaux ou familiaux qui peuvent aussi jouer un rôle. Donc tous ces facteurs, on le sait, jouent un rôle sur l'apprentissage de la lecture et peuvent, dans certains cas, être une cause de difficulté d'apprentissage de la lecture. Néanmoins, si on considère un enfant qui est en difficulté d'apprentissage de la lecture et qu'on commence à essayer de tester un petit peu toutes ces hypothèses, eh bien la constatation remarquable, c'est qu'il existe malgré tout un nombre significatif d'enfants pour qui toutes les causes que j'ai précédemment citées ne semblent pas s'appliquer. Ce sont des enfants qui ont une intelligence normale, qui n'ont pas de troubles sensoriels, pas de troubles du langage oral, à qui on a correctement enseigné la lecture, qui ont un environnement social, familial tout à fait normal et qui, malgré tout, n'arrivent pas à apprendre à lire. Et donc, ce sont ceux-là qu'on va qualifier de dyslexiques, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont une difficulté inexplicable entre guillemets, parce qu'on va finir par l'expliquer quand même, mais inexplicable en apparence d'apprentissage de la lecture. Et donc c'est pour ça qu'on va qualifier ce trouble de trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture. Alors voici le genre de modèle schématique que on peut utiliser dans la recherche scientifique
pour essayer de formuler les hypothèses que nous avons sur les causes de la dyslexie. Donc ce que vous montre ce graphe, alors excusez-moi, je vais sortir. Hop. Ah, j'ai pas accès. Bon. Ok, donc ce que vous montre ce graphe, ce sont les différents niveaux de description auxquels on peut formuler des hypothèses sur la dyslexie. Au niveau le plus bas, vous voyez le niveau comportemental, c'est celui où on observe les symptômes de la dyslexie. Les symptômes, c'est tout simplement que le niveau de lecture de l'enfant, celui que l'on observe, est très inférieur au niveau de lecture qui est attendu. Et attendu pourquoi ? Attendu par rapport à l'âge de l'enfant, par rapport à son fonctionnement intellectuel qui est normal, par rapport à ses capacités sensorielles qui sont aussi normales et par rapport à son environnement qui est également normal. Donc tout ce contexte de normalité induit des attentes en termes de facilité d'apprentissage de la lecture et ces attentes sont déçues dans le cas des enfants dyslexiques. Donc ça c'est l'observation du symptôme principal, le trouble d'apprentissage de la lecture qui en quelque sorte définit la dyslexie. Ayant fait ce constat au niveau comportemental, évidemment, on est amené à en chercher les causes et donc à, dans un premier temps, rechercher des causes au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau du traitement de l'information qui permet à l'enfant d'apprendre à lire et à écrire. Et c'est ce traitement de l'information que vous a déjà exposé en partie le docteur Milne. Bien évidemment, il ne suffit pas de formuler... Et donc après... À force d'étudier le traitement de l'information chez les enfants dyslexiques, on en vient à formuler des hypothèses, par exemple sur l'existence d'un déficit cognitif spécifique qui entraverait l'apprentissage de la lecture. Une fois qu'on a des hypothèses sur un déficit cognitif, évidemment, on se pose la question, mais alors d'où vient-il ce déficit cognitif ? Et là, évidemment, on se tourne vers le cerveau, comme vous l'a montré le docteur Milne, puisque la cognition, le traitement de l'information, c'est quelque chose qui est fait par le cerveau, bien entendu, par aucun autre organe dans le corps. C'est dans le cerveau qu'il faut chercher les causes du déficit cognitif. Et puis, une fois qu'on a identifié certaines causes cérébrales, on peut se demander encore une fois, mais alors d'où viennent ces dysfonctionnements cérébraux ? Et là, on peut chercher différents types de causes, y compris dans l'environnement, mais également au niveau génétique. Et c'est actuellement une des parties les plus enthousiasmantes de la recherche sur la dyslexie, ce sont les recherches en génétique, dont nous n'allons pas parler dans ma présentation ni dans celles qui suivent, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à reposer la question à la séance de questions-réponses qui aura lieu cet après-midi à 4h. C'est un sujet tout à fait passionnant sur lequel il y a aussi beaucoup de choses à dire. Voilà, donc dans ma présentation, on va se concentrer sur le premier niveau, celui du déficit cognitif, et je vais essayer de vous expliquer le mieux possible en quoi consiste ce déficit cognitif, au moins chez une majorité d'enfants dyslexiques. Et donc, l'idée dominante dans la recherche sur la dyslexie, c'est que la plupart des enfants dyslexiques souffrent de ce qu'on appelle un déficit phonologique. Donc en fait, le docteur Milne vous a déjà pas mal expliqué de quoi il s'agit quand on parle de phonologie. Donc c'est la représentation mentale des sons de la parole. Et il vous a également expliqué que, évidemment, cette phonologie est cruciale pour l'apprentissage de la lecture, puisque au début de l'apprentissage de la lecture, il faut apprendre les correspondances entre les lettres et les sons, dans notre jargon, entre les graphèmes et les phonèmes. Et c'est que cet apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes et son automatisation va être une des premières étapes cruciales de l'apprentissage de la lecture. Et donc, on conçoit aisément que le fait de ne pas bien représenter ces sons de la parole puisse conduire à une difficulté dans les premières étapes de l'apprentissage de la lecture. Donc ça, c'est la formulation la plus simple de l'hypothèse du déficit phonologique. Il faut voir, comme il a été évoqué également, et comme il va être évoqué beaucoup plus demain, je crois, que ce déficit phonologique interagit avec les propriétés linguistiques et orthographiques de la langue, et que, effectivement, plus la langue est irrégulière et moins elle est transparente, et plus cet apprentissage va être difficile, et plus l'impact du déficit phonologique va être important.
Alors maintenant, si on se penche de manière plus précise sur ce déficit phonologique et qu'on essaye d'en détailler la nature, eh bien donc on imagine des tâches qu'on fait, des tests qu'on fait passer aux enfants pour mesurer leur performance dans différentes dimensions de la phonologie. Donc des tâches typiques qu'on peut leur faire passer sont donc pour une première catégorie des tâches dites de conscience phonologique. Et donc Duncan Milne a déjà expliqué pas mal de quoi il s'agit dans la conscience phonologique. Ma manière de reformuler ça, il s'agit de la capacité qu'a l'enfant à déjà réaliser que la parole, c'est pas juste fait de mots, mais au sein des mots, il y a des petites unités, des sous-unités qui sont les syllabes, qui sont les phonèmes. Et ça, ce sont des choses qui sont pas évidente de manière immédiate pour tous les enfants. C'est quelque chose qui émerge progressivement vers l'âge de 4-5 ans. Donc réaliser qu'il y a ces petites unités dans la parole, être capable de prêter attention à ces petites unités et être capable d'effectuer des opérations mentales sur ces unités du type que Duncan Milne a montré, donc jouer avec les sons, les échanger, les enlever, les rajouter, les fusionner, etc. Donc c'est tout ça la conscience phonologique, c'est vraiment être capable de jouer en fait avec les sons de la parole. Et de fait, ça peut se présenter sous la forme de jeu chez les enfants. Donc par exemple ici, par une tâche de détection d'intrus, on présente trois mots à l'enfant et on lui demande lequel des trois ne sonne pas comme les autres. Et selon les mots qu'on a choisis, eh bien, ça peut être un mot qui ne rime pas avec les autres, ça peut être un mot qui ne commence pas par le même phonème que les autres. Et en testant l'enfant de cette manière, on peut parvenir à déterminer s'il a des difficultés en conscience phonologique et en conscience phonémique. À un stade plus avancé, on peut lui faire faire des petites contrepèteries élémentaires où on lui demande d'échanger des sons entre deux mots, par exemple. Évidemment, là, vous voyez les exemples écrits, mais il faut bien comprendre que toutes ces tâches se font à l'oral, sans présentation de matériel écrit. Donc, elles peuvent se faire même chez des enfants qui n'ont pas encore appris à lire. Et de fait, au moins pour la tâche sur les rimes, beaucoup d'enfants, dès l'âge de 4 à 5 ans, avant d'avoir appris à lire, sont capables de démontrer leur sensibilité à ces sonorités de la parole. Et donc, c'est là que les enfants dyslexiques ont un premier focus de difficulté, c'est justement dans ces tâches de conscience phonologique. Donc eux, ils ont du mal, même avant d'apprendre à lire, dès l'âge de 4-5 ans, ils ont du mal à entendre les rimes, ils ont du mal à détecter que deux mots commencent par le même son et a fortiori à manipuler mentalement ces sons de la parole. Et donc d'où l'idée qu'ils ont un déficit de la conscience phonologique. Et donc évidemment, cette conscience phonologique, elle est absolument cruciale pour ensuite pouvoir associer ces sons élémentaires avec les lettres et les groupes de lettres. Mais ce n'est pas la seule dimension du déficit phonologique qu'on peut observer dans la dyslexie. Une deuxième dimension, c'est la mémoire verbale à court terme. D'accord ? Donc c'est la capacité que nous avons tous à, par exemple, retenir une série de chiffres, un numéro de téléphone par exemple, qu'on vous dit comme ça à l'oral, juste le temps de le taper sur le clavier, il faut le retenir quelques secondes en mémoire. Évidemment, ce n'est pas une tâche très facile, on a une capacité limitée. Eh bien, les personnes dyslexiques ont une capacité encore plus limitée que la plupart des gens et ont du mal à retenir beaucoup plus que 4 ou 5 chiffres. C'est une capacité cognitive qu'on peut mettre en jeu aussi lorsqu'on vous dit un non-mot, comme l'a fait Duncan Milne tout à l'heure. On peut vous présenter un pseudo-mot et vous demander de le répéter. Tout à l'heure, il vous a fait écouter que des pseudo-mots relativement courts, de deux syllabes, mais si on augmente la longueur du pseudo-mot jusqu'à 3, 4 ou 5 syllabes, alors vous vous rendez compte que ça devient extrêmement difficile. Et vous en faites l'expérience aussi, par exemple, quand on vous dit le nom d'une personne que vous ne connaissez pas et c'est un nom compliqué et qui vous est peu familier, souvent vous avez du mal à le retenir et à le répéter correctement. Eh bien, les personnes dyslexiques ont des difficultés bien plus importantes que la plupart d'entre vous à cette tâche-là de répéter des mots nouveaux ou des mots qui n'ont aucun sens. Et donc, on considère qu'ils ont un déficit de mémoire verbale à court terme. La mémoire verbale à court terme est aussi importante pour l'apprentissage de la lecture. Quand l'enfant décode les mots lettre à lettre,
Hein, donc, par exemple, il va décoder le premier graphème, le convertir en phonème. Ce phonème qu'il vient de décoder, il faut qu'il le stocke dans sa mémoire verbale à court terme. Le temps qu'il décode le deuxième graphème et qu'il le convertisse en phonème, qu'il va à nouveau mettre en mémoire verbale à court terme, et puis il va devoir fusionner les deux dans sa mémoire de travail. Et puis, à passer, après, ça lui fait une syllabe, il va devoir garder la syllabe en mémoire verbale à court terme, puis s'attaquer à la deuxième syllabe du mot, et ainsi de suite. Donc, la mémoire est aussi très impliqué dans le décodage et l'apprentissage de la lecture. Et enfin, une troisième dimension qui semble poser problème dans la dyslexie se met en évidence dans des tâches de dénomination rapide, telles que celles qui vous est montrée dans cette planche, où donc là vous voyez une planche où il y a 50 dessins à peu près, donc des dessins d'objets courants. En l'occurrence ici, il s'agit de verre, lit, cœur, chien. Et la tâche est tout simplement, quand on vous présente cette planche, de nommer tous ces objets les uns à la suite des autres le plus vite possible. Donc ça va donner quelque chose comme verre, lit, cœur, chien, verre, lit, verre, cœur, lit. Hein, et vous vous rendez compte que c'est difficile et qu'il y a de l'interférence entre les mots entre eux et qu'il y a des moments où bon, vous voyez, vous savez bien quel est le mot qu'il a prononcé, mais il a du mal à sortir. Donc on est un petit peu limité dans le rythme auquel on arrive à nommer tous ces mots. Et donc là, c'est une tâche qui nécessite d'aller récupérer l'information phonologique dans la mémoire à long terme. Tous ces mots, on les connaît, hein, ils sont dans notre lexique mental, donc dans une mémoire à long terme qui contient le sens et le son des mots. Simplement, il faut aller les récupérer et les récupérer rapidement. Et il se trouve que les enfants et les adultes dyslexiques sont significativement plus lents dans ces tâches de dénomination rapide, suggérant qu'effectivement, ils ont une difficulté à aller chercher ces représentations phonologiques dans leur mémoire à long terme, mais à les ressortir rapidement, par exemple, comme on le ferait si on lit à haute voix rapidement. Donc voilà, donc là, on a fait le tour, si vous voulez, des trois principales dimensions de la phonologie dans lesquelles des dizaines et des dizaines, si ce ne sont des centaines d'études, ont montré que les enfants dyslexiques et les adultes dyslexiques aussi ont des difficultés tout à fait significatives. Et on voit bien, même si ce ne sont pas des tâches de lecture, on voit bien le lien que ces capacités phonologiques ont avec l'apprentissage de la lecture. Donc bon, je ne vous ai pas montré de données, je vous ai dit verbalement les résultats. Voilà juste un exemple du type de données qu'on peut voir dans la littérature. Là, il se trouve que ce sont des données recueillies sur des adultes dyslexiques, mais sur des enfants dyslexiques, ça serait à peu près la même chose. Donc sur l'axe des Y, vous avez une mesure composite des capacités phonologiques telles qu'elles ont été testées dans une batterie de tests, comme je vous ai présenté dans la diapo précédente. Et vous voyez là les performances des personnes témoins, donc non dyslexiques, et ici les performances des personnes dyslexiques, donc qui se situent très en deçà de celles des personnes témoins. Donc voilà le type de résultat typique. Évidemment, il y a une grande variabilité, hein. Toutes les personnes dyslexiques ne sont pas dyslexiques avec la même sévérité, mais malgré tout, ils ont tous de grosses difficultés avec ces tâches phonologiques. Donc, vous voyez, j'ai complété un petit peu mon modèle du déficit phonologique pour illustrer le fait qu'il y a bien trois dimensions à ce déficit phonologique, avec une des trois dimensions, les problèmes de conscience phonologique, qui est beaucoup plus directement reliée à l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes et par conséquent au démarrage de l'apprentissage de la lecture. Donc là, on en est au tout premier stade, hein, le décodage des mots par décodage des graphèmes en phonèmes. Bien évidemment, vous savez que pour tous les lecteurs experts dans cette salle, vous savez bien que ce n'est pas comme ça que vous lisez au jour le jour. Au jour le jour, tous les lecteurs experts ne décodent pas les mots lettre à lettre, mais ils les reconnaissent comme ça de manière immédiate. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très familiers avec la plupart des mots qu'ils lisent et ces formes visuelles des mots sont déjà stockées en mémoire à long terme et elles peuvent être reconnues immédiatement, hein, de manière globale. Et donc, évidemment, c'est là la deuxième étape de l'apprentissage de la lecture. C'est à force de décoder tous ces mots, on finit par les rencontrer très souvent et on finit par les mémoriser tels quels dans la mémoire à long terme et à en avoir un accès direct. Mais évidemment, vous comprenez bien que pour l'enfant dyslexique qui a déjà du mal avec le décodage des mots, lui, il passe beaucoup plus de temps sur chaque mot à se concentrer sur chaque lettre. Il le décode avec beaucoup moins de précision. Et donc, finalement, le résultat final, c'est qu'il lit beaucoup moins de mots
que ses camarades. Et lorsqu'il les lit, il les lit avec moins de précision. Donc, quelquefois, il les lit de manière incorrecte. Donc, son système visuel et sa mémoire à long terme est moins bien entraîné que les autres pour retenir ces mots et donc pour passer à l'étape suivante qui est de reconnaître les mots de manière globale. Donc, ce déficit initial qui, au départ, handicape le décodage des mots, va évidemment se traduire par aussi un retard de la formation du lexique orthographique et donc un retard de la mise en mémoire à long terme de toutes ces formes visuelles des mots, ce qui va... Et donc, on rentre un petit peu dans un cercle vicieux parce que l'enfant dyslexique décode moins bien et lit moins de mots, bah, du coup, il s'entraîne moins à la tâche et il va accumuler de plus en plus de retard vers l'acquisition de la lecture fluente. Alors, évidemment, si notre hypothèse selon laquelle le déficit phonologique explique les difficultés d'apprentissage de la lecture est correcte, alors on prédit évidemment une forte corrélation entre les capacités phonologiques des enfants dyslexiques et leur performance en lecture. Et effectivement, c'est le cas. Bon, ce graphe ici de l'une de mes études montre cette corrélation, mais elle a été trouvée dans d'innombrables études. Donc là, ici, vous voyez sur l'axe des X une mesure de performance en lecture et sur l'axe des Y une mesure des capacités phonologiques. Avec la bonne performance qui est vers le bas, en l'occurrence, sur cette échelle. Et donc, le groupe d'enfants en blanc sont des enfants témoins, le groupe d'enfants en noir sont des enfants dyslexiques. Et vous voyez que, évidemment, les enfants dyslexiques sont moins bons à la fois en lecture et en capacité phonologique que les témoins, et qu'il y a une relation quasi linéaire entre leur performance dans les capacités phonologiques et leur performance en lecture. Donc, on a bien l'impression qu'il y a un lien de cause à effet entre les capacités phonologiques et les capacités en lecture. Malgré tout, il ne faut pas non plus se laisser trop tromper par les corrélations, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Le fait qu'il y ait une corrélation ne prouve pas qu'il y ait une cause. Hein, et la raison pour laquelle on peut se méfier de cette corrélation, c'est qu'on sait que, sans doute, les capacités phonologiques prédisent les capacités de lecture, mais vice-versa, le fait d'apprendre à lire augmente aussi les capacités phonologiques. Et vous comprenez bien pourquoi, si je vous demande de faire, par exemple, des tâches de conscience phonémique, de faire des petites contrepéteries, etc., souvent, si vous êtes un bon lecteur, vous allez vous trouver plus facile de vous représenter ces mots visuellement, de représenter la forme écrite de ces mots et de faire la tâche sur la base des lettres, en échangeant des lettres, que d'essayer de faire ça dans votre mémoire verbale à court terme. Et donc, effectivement, le fait d'avoir des lettres qui sont des supports pour nos représentations phonologiques, des supports visuels, et d'avoir les mots écrits qui sont des supports visuels pour les mots oraux, évidemment, rend les tâches de capacité phonologique beaucoup plus aisées. Et donc, si vous voulez, il y a une relation un peu circulaire entre les capacités phonologiques et les capacités de lecture qui fait que l'une renforce l'autre. Okay ? Et alors, du coup, si chez un groupe d'enfants, on observe qu'ils ont de moindres capacités phonologiques que dans un groupe témoin, on ne peut pas certifier d'où ça vient. Est-ce que c'est du fait qu'ils ont de moindres capacités phonologiques qu'ils lisent moins bien, ou est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont accumulé du retard dans l'apprentissage de la lecture, et donc que ça a moins renforcé leurs capacités phonologiques, qu'on voit les différences dans les capacités phonologiques. Donc ça, c'est une critique importante qui a été faite, mais qui a déjà été faite il y a plus de 30 ans, par rapport à l'hypothèse du déficit phonologique. Et donc, la réponse, il y a au moins deux réponses à cette critique. La première, c'est de comparer la performance des enfants dyslexiques non seulement à des enfants de même âge, et donc qui lisent beaucoup mieux qu'eux, mais également à des enfants qui ont le même niveau de lecture qu'eux. Donc, par exemple, si vous regardez des enfants dyslexiques qui ont 10 ans, et qui lisent, qui ont 2 ans en moyenne de retard en lecture, donc ils lisent comme des enfants de 8 ans, vous allez comparer leur capacité phonologique à des enfants de 8 ans. Comme ça, vous égalisez le niveau de lecture et donc l'expérience reçue en retour grâce à l'apprentissage de la lecture, et donc le bénéfice potentiel sur les capacités phonologiques. Et en fait, quand on contrôle l'âge de lecture, on se rend compte que les enfants dyslexiques ont malgré tout des performances phonologiques qui sont inférieures à celles d'enfants qui ont le même niveau de lecture. Donc ce n'est pas uniquement du fait du retard dans l'apprentissage de la lecture qu'ils ont ces faibles capacités phonologiques.
Et la deuxième réponse à cette critique, c'est qu'en fait, on peut montrer que le déficit phonologique précède en partie l'apprentissage de la lecture. Et donc, c'est ce que je vais vous illustrer en vous montrant quelques morceaux d'une étude longitudinale. Donc, pour répondre à cette question, en fait, il faut commencer à examiner les enfants avant qu'ils apprennent à lire, mesurer leur capacité phonologique, et puis les laisser grandir, les laisser apprendre à lire. Certains vont apprendre très bien à lire, certains vont devenir dyslexiques, ils ne vont pas apprendre à lire. Et à la fin, on regarde si les capacités phonologiques qui étaient prises avant l'apprentissage prédisent l'apprentissage de la lecture ou pas. Et donc ça peut se faire en démarrant à 4 ans, et certains collègues parmi nous l'ont fait dans diverses études. Donc il y a un certain nombre d'études publiées. Je vous en montre une qui est particulièrement séduisante parce qu'elle a démarré non seulement à 4 ans, mais elle a démarré carrément à la naissance. Donc c'est l'étude de nos collègues finlandais, Heikki Lutinen et collègues. Et donc, comment est-ce qu'ils ont pu démarrer une étude sur la dyslexie à la naissance? Ils ont tiré parti du fait qu'il y a une susceptibilité génétique à la dyslexie et qui se manifeste de manière assez simple, même si on n'a pas, même si on regarde pas l'ADN des gens. C'est assez simple parce que lorsqu'on a un parent dyslexique, eh bien, chaque enfant a à peu près 50% de chances de devenir lui-même dyslexique. Donc en fait, ses collègues, ils ont recruté des futures mamans à la maternité qui étaient soit elles-mêmes dyslexiques, soit dont le mari était dyslexique. Et donc, ils ont pu recruter, avant même la naissance, un ensemble de 100 nouveau-nés qui étaient à risque de devenir dyslexiques. Ils avaient 50% de risque de devenir dyslexiques. Et puis, ils ont recruté, évidemment, un nombre équivalent de nouveau-nés qui n'étaient pas à risque génétique de dyslexie. Et donc, ces enfants, ils les ont suivis depuis la naissance jusqu'à l'âge de 10 ou même 12 ans maintenant, pour suivre déjà à toutes les étapes de leur développement quelles étaient leurs performances dans les différents secteurs cognitifs, de contrôler également les facteurs environnementaux qui pouvaient influencer leur apprentissage du langage, et puis suivre leur apprentissage de la lecture et déterminer à la fin qui est dyslexique, qui ne l'est pas, et est-ce qu'on peut le prédire avec les mesures antérieures. Donc ce tableau vous montre simplement que sur des mesures de compétences intellectuelles ou neuropsychologiques standards, les deux groupes d'enfants ne diffèrent pas. Okay, donc ce n'est pas juste que les enfants à risque ont une déficience intellectuelle ou ont un QI moins élevé. Non, ils sont absolument identiques au groupe témoin sur ces tests-là. Ça vous montre, ça vous illustre une des mesures qui a été faite au cours de la première année de vie. Donc, c'est la fameuse technique d'électroencéphalographie que vous a présenté le docteur Milne et qu'on peut tout à fait mettre en œuvre avec des nourrissons et même avec des nouveau-nés. Vous voyez, on leur met simplement les électrodes sur la tête et on mesure les potentiels électriques évoqués par l'activité de leur cerveau. Et ça a été utilisé notamment dans un protocole où on leur présente des syllabes à l'oral et de temps en temps, il y a une syllabe différente. Et lorsque le cerveau entend une syllabe qu'il perçoit comme différente, il émet une onde électrique qui est assez reconnaissable et qu'on voit ici. Et donc, en fait, ce qu'ont montré ces chercheurs finlandais, c'est que le groupe, et donc là, c'est une moyenne sur l'ensemble du groupe, le groupe de nouveau-nés à risque de dyslexie avait un potentiel électrique évoqué par cette syllabe différente moins important que le groupe de nouveau-nés témoins. Okay. Alors même qu'au sein du groupe de nouveau-nés à risque, en fait, 50% ne deviendront pas dyslexiques. Mais l'effet de la moitié qui deviendront dyslexiques est déjà significatif. Et donc, ceci suggère que dès les premiers mois de vie, en fait, les enfants qui vont devenir dyslexiques sont déjà différents d'un point de vue de leur capacité à percevoir la parole et à distinguer des différences fines entre des syllabes comme, par exemple, « ba » et « da ». Qui diffèrent par des propriétés acoustiques très réduites. Donc, vous voyez, dès 6 mois, et même ils ont même une expérience dès la naissance, on peut certainement pas prédire quel enfant va devenir dyslexique parce que les données sont très bruitées, mais on peut détecter des différences entre le groupe d'enfants à risque et le groupe d'enfants témoins. Et puis, évidemment, tout au long de leur enfance, ces enfants ont passé différents tests cognitifs et différents tests de langage. Et donc, les barres noires sont celles des enfants à risque, les barres grises sont celles des enfants témoins. Et je ne vais pas vous détailler tous ces tests, ce sont tous des tests de langage. Et vous voyez que l'écart entre les barres noires et les barres grises va croissant avec l'âge. L'âge augmente lorsqu'on descend dans le graphe.
et vous montre que, eh bien, que ces enfants sont différents sur leur capacité de langage dès le plus jeune âge, notamment sur leur capacité de vocabulaire à 3 ans et demi, par exemple, sur leur capacité de conjuguer des verbes aussi à 3 ans et demi, sur leur conscience phonologique à 3 ans et demi, encore sur leur vocabulaire à 5 ans, etc., etc. Donc sur toutes les mesures de langage que l'on peut prendre à tous les âges de l'enfance, les enfants à risque sont différents des enfants témoins et ils sont de plus en plus différents. Leur capacité de langage diverge de plus en plus avec le temps. Et puis un jour, ils apprennent à lire, et chacun avec un niveau de succès différent, et on peut se demander, parmi ces mesures précédentes, lesquelles prédisent le mieux l'apprentissage de la lecture. Et évidemment, il y a des capacités cognitives générales qui rentrent dans l'apprentissage de la lecture, comme par exemple le QI de performance, donc l'intelligence générale, ou encore l'attention visuelle. Mais en fait, l'essentiel des variations est expliqué par ces différentes tâches qui sont des tâches de langage. Autrement dit, on peut prédire avec une bonne fiabilité les capacités de lecture de l'enfant à 7 ou 8 ans en connaissant son vocabulaire à 2 ans et demi, sa mémoire verbale à court terme à 3 ans et demi, sa conscience phonologique à 4 ans et demi, sa connaissance des lettres à 5 ans et demi. Okay. Donc, si on doit conclure finalement, si on doit résumer en quelque sorte cette étude longitudinale, la dyslexie, ça commence évidemment au moment où on apprend à lire, mais c'est déjà présent de manière latente chez l'enfant qui va devenir dyslexique. Et en fait, on peut en détecter des signes précurseurs qui se situent essentiellement dans les capacités de langage oral. Okay. Et finalement, ce déficit phonologique qu'on arrive si bien à caractériser chez l'enfant dyslexique à partir de 8 ans ou de 9 ans, en fait, on peut en détecter tous les signes précurseurs bien avant, dès l'âge de 5 ans, voire 4 ans, voire 3 ans, et si on s'en donne les moyens, dès la première année de vie. Avec une fiabilité, évidemment, qui est modérée, on va dire. On ne peut pas prédire le destin de l'individu comme ça lors de la première année de vie. Il s'agit de moyennes sur des groupes et de corrélations. Donc évidemment, ce type d'étude longitudinale renforce considérablement l'hypothèse qu'il y a bien un déficit phonologique, évidemment, et que ce déficit phonologique est bien la cause des difficultés d'apprentissage de la lecture. Alors, il faut quand même dire un mot d'autres hypothèses possibles sur les troubles d'apprentissage de la lecture. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que d'une majorité d'enfants dyslexiques qui sont présumés avoir un déficit phonologique. Il faut malgré tout reconnaître que lorsqu'on teste un groupe d'enfants dyslexiques, il n'est pas vrai que 100% d'entre eux ont un déficit phonologique. Certains semblent ne pas avoir de déficit phonologique et ils sont malgré tout dyslexiques et il faut aussi comprendre quel est leur problème. Et donc la deuxième hypothèse qui est assez naturelle, c'est celle d'un trouble dans la modalité visuelle, puisque la lecture, c'est évidemment une activité visuelle. Alors, on ne parle pas de troubles ophtalmologiques qui affecteraient l'œil. Évidemment, si l'enfant est hypermétrope, il a besoin de lunettes pour arriver à lire. S'il n'a pas de lunettes, il ne va pas pouvoir lire. Ça coule de source, mais ce n'est pas la dyslexie. C'est un problème ophtalmologique. Donc, on suppose que tous les problèmes ophtalmologiques sont soit inexistants, soit corrigés. Et malgré tout, on fait l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un trouble du traitement visuel, mais alors au niveau cérébral. Et ça, c'est parfaitement possible. Et d'ailleurs, le professeur Stein va vous en parler plus en détail cet après-midi. Et donc, juste pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup du déficit phonologique et qu'on pense que ça concerne la majorité des enfants dyslexiques qu'il n'y a pas de trouble visuel nulle part. Les deux hypothèses ne sont pas en concurrence, elles peuvent être complémentaires et parler d'enfants différents. Ou alors, il peut arriver aussi qu'un même enfant ait à la fois un déficit phonologique et un déficit visuel. Simplement, pour l'instant, les différentes hypothèses sur les déficits visuels sont à un stade encore un peu préliminaire de recherche. Et donc, pour l'instant, il n'est pas encore possible de dire de manière catégorique, ça y est, on a identifié quelle est précisément la nature du déficit visuel. En fait, il y a encore plusieurs théories en compétition. Et là, les chercheurs sont en train de travailler très dur pour essayer de vraiment comprendre combien de types de dyslexie visuelle il y a et comment les caractériser. Donc voilà, donc ça c'est un secteur qui est en, en,
en pleine recherche, et le professeur Stein vous en parlera beaucoup mieux que moi cet après-midi. Mais donc voilà, ayant fait cet aparté sur les troubles de type visuel ou visuo-attentionnel, maintenant je reviens à le type de déficit qui paraît le plus prédominant, qui est le déficit phonologique. Donc pour résumer, la plupart des enfants dyslexiques ont un déficit phonologique qui affecte principalement trois dimensions, la conscience phonologique, la mémoire verbale à court terme et l'accès au lexique phonologique en mémoire à long terme. Leurs capacités phonologiques sont inférieures à celles d'enfants, même d'enfants plus jeunes qui ont le même niveau de lecture. Et si on s'en donne les moyens, on peut détecter des précurseurs du déficit phonologique chez les jeunes enfants qui vont un jour devenir dyslexiques lorsqu'on leur apprendra la lecture. Ces capacités phonologiques que l'on mesure précocement prédisent les futures capacités de lecture plusieurs années à l'avance. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on peut dire sur la dyslexie développementale au niveau du traitement de l'information, donc au niveau cognitif, en me focalisant sur la majorité des enfants dyslexiques qui ont un déficit phonologique et en essayant d'expliquer en détail ce qu'est le déficit phonologique et en laissant de côté les troubles de type visuel. Évidemment, on pourrait faire une conférence équivalente sur les dysfonctionnements cérébraux qui sont à l'origine de ce déficit phonologique. Le docteur Mill en a déjà parlé un petit peu. Je pense que le docteur Stein va aussi en parler. Et puis, sur les différences génétiques, on en parlera peut-être au moment de la séance de questions. Je vais peut-être m'arrêter là plutôt que d'aborder... Non, je vais peut-être juste... Avant de terminer, puisqu'il me reste une minute ou deux, juste vous dire que, sans repasser en revue tout ce qu'on sait sur le cerveau des personnes dyslexiques, évidemment, quand on met la personne dyslexique dans l'IRM et qu'on lui demande de lire, et qu'on compare ses activations aux activations de personnes témoins, on n'est pas très surpris de voir que les activations sont différentes. Donc, à gauche, vous avez les activations d'une personne qui lit normalement dans l'IRM et qui active ces trois régions, qui sont aussi en grisé ici, qui sont reconnues comme des régions très impliquées dans la lecture et dans l'apprentissage de la lecture. Donc, sans grande surprise, quand le sujet qui sait lire lit dans l'IRM, on voit s'activer les régions responsables de la lecture. Lorsqu'on met la personne dyslexique dans l'IRM et qu'on lui demande de lire, sans grande surprise, les régions qui s'occupent de la lecture dans son cerveau ne s'activent pas tout à fait de la même manière. Le contraire aurait été étonnant, puisque c'est bien le cerveau qui nous fait lire, après tout. Vous voyez qu'au moins pour deux des trois régions qui sont impliquées dans la lecture, les personnes dyslexiques activent moins ces régions. Et peut-être active plus les régions équivalentes dans l'hémisphère droit. Là, on est en train de regarder l'hémisphère gauche, qui, comme vous l'a expliqué le docteur Milne, est le plus impliqué dans le langage et dans la lecture. Donc, si vous voulez, là, rien de surprenant, mais on ne peut pas affirmer que c'est là la cause. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont ces moindres activations cérébrales qu'ils sont dyslexiques. Peut-être que c'est simplement parce qu'ils sont dyslexiques et qu'ils n'ont pas entraîné leur cerveau à la lecture qu'on voit ces moindres activations cérébrales. Donc, il ne faut pas prendre ça forcément comme une cause, mais plutôt comme un corrélat cérébral de ce qu'on observe déjà au niveau comportemental. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont ces moindres activations, alors, si ce n'est pas une cause, ou est-ce que c'est une cause ? Là, pour le coup, on peut regarder un petit peu l'anatomie du cerveau et constater qu'au niveau structurel, au niveau anatomique, on voit déjà des différences entre les personnes dyslexiques et les personnes témoins. Alors, pas des grosses différences. En fait, si on prend l'IRM du cerveau d'une personne dyslexique et qu'on la montre à un neurologue, le neurologue va la regarder 3 secondes et il va dire « normal ». Ce qui veut dire par « normal », c'est qu'il ne reconnaît pas il ne reconnaît aucun des problèmes qu'il est entraîné à détecter. Il ne voit pas d'accident vasculaire cérébral, il ne voit pas de tumeur cérébrale, il ne voit pas de malformation développementale majeure qu'il aurait l'habitude de reconnaître sur une IRM. Donc, de ce point de vue-là, les personnes dyslexiques ont un cerveau tout à fait normal. En revanche, si on regarde des propriétés beaucoup plus fines de l'anatomie du cerveau, si on fait des études quantitatives, si on quantifie, par exemple, l'épaisseur de leur matière grise région par région du cerveau et qu'on compare des groupes de personnes dyslexiques avec des groupes de personnes témoins, alors là, on commence à voir émerger des différences statistiques.
qui ne déterminent pas le statut de la personne, mais qui sont en gros différentes entre les groupes de personnes dyslexiques et de personnes témoins. Donc par exemple, cette image vous montre que les personnes dyslexiques ont une moindre quantité de matière grise dans les régions qui sont colorées ici, et qui sont justement des régions impliquées dans le langage oral et la phonologie, et qui sont évidemment fortement recrutées lors de l'apprentissage de la lecture. Donc déjà au niveau structurel, il y a des différences entre le cerveau des personnes dyslexiques et des personnes témoins, mais des différences très subtiles. Alors après, est-ce qu'on peut encore affirmer que là, on a vraiment la cause ou pas la cause? Là aussi, ce n'est pas évident, parce que même ces quantités de matière grise peuvent elles-mêmes répondre à l'expérience et pourraient augmenter ou diminuer en fonction de l'entraînement que reçoit le cerveau lors d'un apprentissage. Et donc, si on veut vraiment remonter aux causes, eh bien, on peut faire ce que vous montrait le docteur Milne tout à l'heure, c'est alors aller regarder le cerveau au niveau cellulaire, ce qui n'est possible que post-mortem, donc en faisant de la dissection de personnes qui ont bien voulu donner leur cerveau à la science. Et là, effectivement, Galaburda et collaborateurs ont montré tout un tas de petites anomalies microscopiques qui semblent plus fréquentes dans les cerveaux de personnes dyslexiques que dans les cerveaux de personnes témoins, et qui à nouveau semblent localisées dans les régions du cerveau, dans l'hémisphère gauche, qui sont impliquées dans la phonologie et dans le langage oral et qui vont être recrutées pour l'apprentissage de la lecture. Et donc ce qui est intéressant dans ces études de dissection, même si elles sont très limitées d'un point de vue méthodologique pour plein de raisons, c'est que là, ce qu'on observe ne peut pas être la conséquence du retard dans l'apprentissage de la lecture. Pourquoi ? Parce que ces petites anomalies développementales, que sont ces ectopies par exemple, ce sont des neurones qui n'ont pas migré dans la bonne couche du cortex, eh bien ces anomalies développementales sont datées, elles ne peuvent survenir que pendant la gestation, hein, aux alentours de 20 à 24 semaines de gestation chez l'être humain. Donc là, si on les observe dans le cerveau de quelqu'un, quel que soit l'âge de la personne dont on observe le cerveau, on est sûr que ce sont des événements extrêmement précoces qui étaient bien antérieurs à l'apprentissage de la lecture. Et donc, on a de bonnes raisons de penser que dans la mesure où une personne aurait un grand nombre de ces petites anomalies dans les régions dites périsylviennes gauches qui sont impliquées dans l'apprentissage de la lecture, alors effectivement, il y a de bonnes chances que ça soit là et véritablement la cause à la fois des différences structurelles qu'on observe ensuite, des différences d'activation cérébrale et des différences en termes de traitement de l'information phonologique qui, in fine, vont aboutir aux difficultés d'apprentissage de la lecture. Et le plus intéressant aujourd'hui, c'est que maintenant qu'on est en train de découvrir des gènes associés à la dyslexie, on arrive à établir un lien entre les gènes qui ont été découverts et justement ces fonctions de migration neuronale et ces petites anomalies qui ont été observées dans ces cerveaux. Donc voilà, ceci pour vous dire... Oups, ah, ça y est, je vais quand même... Voilà. Ceci pour vous dire que même en partant du niveau cognitif, on en revient très vite au niveau cérébral et qu'il y a des liens très bien établis entre les différences cérébrales et les différences cognitives et que maintenant, au niveau génétique aussi, on arrive à un petit peu lier le tout et avoir un scénario cohérent du développement du cerveau des personnes dyslexiques. Et pour terminer, je vais vous citer un certain nombre de sources documentaires qui peuvent vous être utiles. Certaines sont en français, certaines sont en anglais, qui sont vraiment des sources de référence sur l'apprentissage de la lecture en général et sur la dyslexie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.